Alors comme ça on m'espionne durant mon bain de minuit? Ou plutôt devrais-je dire mon bain de midi? Bonsoir à tous, c'est Julat, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Pendant que moi je vais essayer de tuer 2-3 poissons, histoire de faire le repas du midi. Voilà, on va prendre celui-là. Ah là, impeccable. Est-ce que ça se mange ça d'après vous les rêves? Bah oui, la dernière fois c'est vrai, on avait essayé. Donc, re-bienvenue pour la suite de Far Sky, pour cette grande aventure sur Far Sky. Enfin grande, je sais pas exactement combien de temps. Je l'ai eu là, j'ai fait mal là. Là j'y ai croqué un peu le mulet là, non? Ouais ouais, ça mange maintenant, je vais faire gaffe les barracudas là. Donc la dernière fois, souvenez-vous, on s'en était arrêté. Et bien juste ici. Ouh le bâtard. Ouh le bâtard. Il attaque hein. Allez, je rentre chez moi. La dernière fois, souvenez-vous les gens, on s'en était arrêté juste ici. Qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien on avait amélioré un petit peu la base. On avait posé 2-3 caisses ici, des petits trucs comme ça. C'est bien joli et tout. On a posé des machins comme ça. Tu vas pas te taire, mon dieu, oui. On avait commencé à faire une deuxième pièce pour la base, tranquillement. Ça avance à son rythme, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à stuffer un petit peu plus notre personnage. On va le stuffer encore plus que la dernière fois. Là, ça va être un truc de malade, là, mon vieux. Déjà, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on va refaire des trucs comme ça. Voilà, ça c'est bien. Ouais, si, c'est parfait. On va mettre 2-3 trucs dans le coffre, peut-être. De la rock, oui, ça peut aller dans le coffre, ça... Attends, ça marche si je fais contrôle directement? Ah ben non, mon vieux. Pas du tout, ça marche pas. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que on va monter tranquillement. Voilà, ici on va monter. Et là, ce que j'avais envie de faire, c'était prendre ça tout simplement, comme ceci. Et on va planter 2-3... Mais what? Mais reste en haut mon vieux. Voilà, on va planter 2-3 petits trucs comme ça. Je vais prendre des patates comme ça. Voilà, on va en planter une ici, une ici, une ici, 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 ici. Et ben ça y est, il y en a plus. Ça y est, on en est où pour la fin? 50%? Ça va. Alors ici, bien entendu, ce qu'on va mettre dans le coffre, on va mettre notre petit casque, parce qu'il nous sert plus à rien pour le moment. On a une table et tout, on va voir tout ça après. On va agrandir un petit peu la base par la suite. Des bandages, c'est cool, j'ai ce qu'il faut. On va mettre ça ici. Drill extra de ressources? Ben non, ben c'est mon drill ça. Mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Va falloir qu'on se fasse des coffres aussi. Un de ces quatre, ce serait pas mal. Au niveau de la cuisine, ce qu'on va faire, on va faire cuire ce petit bout de poisson tranquillement. Alors attendez voir, on va se calmer 2 petites minutes. On va y aller tranquille. Est-ce qu'on peut se faire un coffre? Tout simplement. Non? Ok, c'est bon, c'est fait, on peut pas se faire de coffre. Ah, c'est du copper qu'il nous faut, c'est pas de l'or. Hein. C'est du copper! Mais attendez, j'avais posé un extracteur sur du copper. Souvenons-nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite sortir de là-dedans, tranquillement, et on va aller chercher l'extracteur que j'avais posé. Alors attends, vas-y, je vais ouvrir la map. Il me semble que j'en avais posé un là. Eh oui, c'est tout droit, on va tout de suite aller là-bas, c'est parti! Alors attends, voilà, j'ai envie de faire ça. Tac, voilà, yes. Là on est bien, là on est pas mal là. On va y aller tranquillement, en tout cas. Je le trouve toujours aussi magnifique le jeu. J'ai vu tous vos retours, ça m'a fait super plaisir. Il y a des gens qui ont trouvé le jeu moche. Bah franchement, les gars, merde quoi. Moi je le trouve pas moche, il est super beau ouais. Bon après chacun son avis. En tout cas pour la majorité, eh ben vous avez bien kiffé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Ça fait très plaisir, on continuera ainsi la série. Et attends. Attends, je vais me faire 2-3 poissons là, parce que on parle, c'est bien joli. Oh putain, je me casse. On a laissé un extracteur ici, voilà, yes. Non. Attends, oh, 69, je récupère tout et on se casse. Attends, stop, on va aller se réfugier dans la base à côté. Vas-y. Parce que, putain, c'est pas vrai ça. Laisse-moi tranquille, mon vieux suppôt de Satan. Voilà, on va tenter de remonter ici. Voilà, yes. Allez, vas-y, monte. Voilà, yes. Attendez. Putain, ça me fait chier de rentrer les mains vides, quoi. Non, c'est pas grave. Non, on va rentrer les mains vides. On va laisser cette base comme ça. Putain, il y a un requin qui est juste ici, quoi. J'espère qu'il va pas nous griller. Yes. Par contre, je vais ramasser 2-3 trucs. Histoire de fabriquer des bandages au cas où. Vas-y, on se casse. Putain, il y a un requin marteau. Il y a un requin marteau, il est juste en dessous, le salaud. 90% de faim. Ouh. C'est pas bon, hein. Est-ce que je vais avoir... Yes, c'est bon, on est arrivé. Vas-y, au passage. Donne-moi 2-3 poissons au passage. On va remonter à la base. Yes, impeccable. Par contre, attendez, je vais aller chercher juste de l'iron, juste à côté. Voilà, normalement, il y en a là-dedans. Ça va être impeccable. Putain, il y en a pas tant que ça, quoi. Vas-y, je vais en ramasser un peu. Ah merde! Putain, j'avais pas vu que j'avais faim, c'est vrai! Merde. Attends, j'avais laissé un bout de poisson dans le four. Remonte! Remonte. Oh là là, j'avais pas vu ça. Il est où le four? Vas-y, mange ça. Yes. Ouf.
Putain, j'avais pas vu, yes. Bon, je pense que pour le coup, on aura assez d'iron. On va remonter. J'ai pris un stack de 75 plus 44 à côté. J'ai super faim. Je suis à 99%. Bah, 100%. Ça y est. Allez, vas-y. On va manger tout ça. Yes. Voilà, yes. Impeccable. Putain, mais c'est une histoire sans fin, quoi. Va falloir que je retourne à la pêche. C'est un truc de fou. Je crois bien qu'on va aller se tuer un requin. On va se faire un petit festin. Aux petits oignons, tu vois, ça va nous remonter tout ça. On va aller pêcher un petit peu d'ailleurs là. On va aller se faire ça tout de suite. Tiens, de la raie. Ça c'est bon ça. Ça c'est pas mauvais ça. Hein? Voilà. Pourquoi elle donne rien? On m'explique? Tiens toi, prends ça. Voilà. Vas-y, rattaque. Rattaque, rattaque, je t'attends. Rattaque! Vas-y. T'inquiète, je vais équiper les harpons en or, ça va le calmer 2 minutes, mon vieux. Vas-y, vas-y. Tiens, prends ça. Alors? Vas-y! Tiens! Vas-y, je vais équiper cela, mon vieux. On va voir s'il va réguler 5 minutes là. Hein? Alors, allez, viens! Vas-y, viens! Ah! Ça calme, hein? Ça calme. Merci, je prends. Ah, bah, tout de suite, c'est pas la même histoire, hein? Un autre qui veut s'y frotter? Alors! Tiens! Ah, bah, voilà! C'est ça qu'il me faut. Voilà. Et puis celle-là aussi. Je comprends pas, des fois, ça donne rien. Alors, tu veux t'y frotter, toi, mon vieux? Alors, vas-y, dis-moi tout. Tiens, tu vas encore t'y frotter? Oh, ça va, 2 flèches, tranquille. Alors, yes. Quand je vous dis qu'on va se faire un petit festin, là. Là, on va se mettre bien, ça, c'est good. Oh, putain, putain, attends, je sais plus où donner de la tête. Oh, je rentre, ce coup-là, je rentre. Je me casse, c'est bon. Voilà, impeccable, yes. Bon, et eh bien, écoutez, on s'est mis plutôt pas mal. On va faire cuire ça tranquillement. Ah, ça va bien nourrir, yes. Voilà, impeccable. Oh, moins 50%. Bah, écoutez, on va le manger, hein. Voilà. Et puis, on va en mettre un de côté. On va faire cuire également ça tranquillement. Ça, c'est de la raie. C'est bon, la raie, ça. Petits oignons et tout, bien marinés, là. Bon, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va... on pourrait se faire une nouvelle combi. On va voir ça peut-être après. Écoutez, on va se faire un coffre. Voilà, ça au moins c'est fait. On pourra ranger des affaires. Ici, on va se faire masse de sol. Voilà, tout simplement. Voilà, yes, 36, c'est pas mal. Comme ça, on va agrandir encore. Ça aurait été pas mal qu'on se fasse une échelle aussi. Ah, faut encore de l'iron. Dans l'extracteur, il y en a encore un petit peu. Putain, il y en a pas grand chose, hein. Je vais voir si on a moyen de se refaire un extracteur. Ça peut être pas mal. C'est combien les extracteurs? Ah putain, c'est quoi les trucs bleus là? Si je chope de la ferraille, je peux me refaire un extracteur. Voilà, impeccable. J'en ai 30. Comme ça, normalement, on peut refaire un petit extracteur des familles. Vas-y, fais voir ça. Yes, voilà. Overpowered extractor. Ah putain, ah, celui-là à mon avis il doit être bien quoi. Et on va le poser aussi sur l'iron. Voilà, on va le poser vraiment sur l'iron. Comme ça je veux pas qu'il prenne de la pierre. Ah ouais, là c'est que vous voyez, je l'ai vraiment posé entre les deux quoi. C'est ça qui est con quoi. J'aurais dû vraiment le poser juste ici. Voilà, là il va prendre que de l'iron là. Voilà, 100% iron, ok. Ah ouais, il prend que 7% d'iron en fait ici. Putain, mais y a pas moyen de les bouger quoi. C'est tellement con quoi. Bon, c'est pas grave. Au moins là, il va me prendre que de l'iron ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire masse d'extracteur. Vous allez voir. Vas-y, c'est long. Hein. Alors cette fois-ci, on est good pour se faire quelques extracteurs. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ce sera parfait. On va aller poser tout ça. Je vais leur faire ramasser que de la ferraille. 100% iron. Ah bah attends, mais y a plus d'iron à ramasser là-dedans? Il a tout ramassé là? Ah, ok, d'accord. Ah ouais. Ah, c'est qu'en fait, selon où tu poses les trucs, si vous voulez, ça pompe les ressources du machin. Et au bout d'un moment, bah, y a plus de ferraille quoi. Il reste plus que de la pierre. D'accord, je viens de comprendre. Ok. Si on le pose là, admettons. Voilà, on en pose un ici. On en pose un ici. Un là. Ici. Ici, ce sera parfait. Je pense que là, on est bien équipé. On va même manger un petit bout pour fêter ça, tranquillement. Allez, fiesta, on se fait un petit bout de raie. Yes, voilà. Bah ça fait plaisir, ça c'est cool. Alors attendez, bougez pas. Ici, on va se faire une petite salle tranquillement, là. On va se faire une petite échelle, histoire de se faire un étage. De l'autre côté, voilà, yes. Comme ça, si on pose ça là. Impeccable, yes. Comme ça, crac, crac, ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, impeccable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, c'est pas mal comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et normalement si je fais ça,
Je devrais rejoindre l'autre bout, je pense. Si j'ai assez de sol. Ah bah j'en ai pas assez. Ok. Ici, on se fera une petite salle, sûrement, avec des coffres. On va poser ça là. C'est parfait comme ça. Open, ici on va poser... Bon, pour l'instant, je vais poser la table. Ah, j'ai encore 36 sols. J'avais pas vu. Putain, il m'en reste plus que 10. Ça va être super court pour tout faire. On fera pas tout. Non. Voilà. Ok. Il nous en manque encore un peu. Bon, du coup, on va poser quelques trucs là-dedans. Voilà, on va poser ça. Putain, c'est con qu'on peut pas faire la touche contrôle là ou... Ou mage, non, ça marche pas non plus. On est obligé de les mettre à para comme ça dedans. Voilà. Là, c'est pas mal. C'est plutôt bien rangé comme ça. Alors, par contre, ce que je vais faire, on va faire ça. Parce que ça, j'aime bien. Voilà. Une belle baie vitrée, voyez-vous? Là, on est bien, là. Est-ce qu'on a moyen de se faire une nouvelle combi? Je pense que... Non, on peut pas se faire une nouvelle combinaison. Ok. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à la chasse aux ressources. Mais à la chasse aux nouvelles ressources. On va aller un peu plus loin. C'est parti, let's go. On va aller... On va tenter d'aller par ici. Il y a un objectif là-bas. On va tenter d'y aller. Ça se trouve, c'est une nouvelle pièce du sous-marin. Au passage, je vais récupérer 2-3... Ah putain, mais ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais ça, je me mets à dos. Je me mets à dos les requins, quoi. Et les barracudas. Oh, regardez, il y a un coffre. Alors, ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Les pièces comme ça, là. C'est des bonus. Regardez, on a un objectif là. Pff, putain, toi, dégage. Eux, ils attaquent. On a un objectif ici. On va y aller. Je pense que ça doit être une pièce du sous-marin. Yes! 3 pièces sur 9. Ok. On a un autre objectif par là, mais à mon avis... À mon avis, ça risque d'être short. Ah ouais, je pourrais pas descendre plus bas. On n'est pas assez stuffé, les gens. Non. Là, si je descends plus bas, on va exploser avec la pression. C'est sûr. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on peut... Si on peut avoir de nouvelles ressources. Ça, c'est de la terre. Ah, si on pouvait trouver de l'or dans le coin aussi, là, ce serait pas mal, quoi. On va faire un petit peu le tour, tranquillement. Piti, piti, piti. Piti, piti. Puis lui, il cherche à s'échapper, mon vieux. Oui, il va m'emmener dans les profondeurs, lui, comme il fait là, non? Attendez. Ouh, quoique, on a peut-être un objectif là-bas. Ah, ça va être un peu loin. Ça va être un peu loin. Oh, putain. Merde. Il y a un requin, quoi. Ah, et puis bien sûr... Il a reniflé le sang, quoi. Je vais prendre mon... Oh, putain, merde. Bah, si je tombe, je suis pas dans la merde. Dégage-toi. Tiens, prends ça. Ça te fait les pattes. Alors? Tu vas rattaquer? Vas-y. Vas-y, vas-y. Tiens. Voilà, putain, il y a son pote qui arrive. Il a reniflé le sang. Je me casse. Ah, on n'a pas d'or dans le coin, quoi. Faut que je fasse gaffe, hein. Maximum c'est 350 mètres de profondeur. On va tenter de descendre encore peut-être un petit peu. Non, 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 si on descend on remontera pas les gens. C'est mort. Vas-y remonte. Voilà. Remonte. Putain c'est pas vrai ça. Bon écoutez, sortie pas très fructueuse. On va faire le tour des extracteurs un petit peu. Pour voir ce qu'ils ont ramassé. Putain ils me font chier à chaque fois ces requins là. Non, ça, c'est les barracudas. Vas-y, on va voir ce qu'on a chopé un petit peu, tranquillement. Ah, bah voilà. Putain, ah oui, ok, d'accord. Il ramasse plus rien, quoi. Je crois que la roc, en fait, je peux m'en débarrasser. Hein. À mon avis, ça sert à rien. Voilà, on va voir ici. Ici, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal aussi. Et ici, ça doit être pas mal. Yes, c'est très bien, même. Bon, retour à la base. Je pense qu'on va tenter de se faire une nouvelle combinaison de plongée, tranquillement. Celle-là, on l'a déjà. C'est celle-là qu'il faut qu'on se fasse, quoi. Ah, putain, il me faut du copper. Ah, bah, du copper, j'en ai. J'en ai mis dans le coffre. Voilà, j'en ai là du copper, impeccable. Voilà, normalement. Yes. Ok, c'est cool. On va se faire celle-là, les gens. Voilà. Crac. Comme ça, celle-là, on va la ranger dans le coffre. Et on va se faire une nouvelle bouteille de plongée. Impeccable. On va manger un petit bout de requin. Ouais, là, on est organisé. Là, on est bien organisé, là. Au passage, on se refait des petits bouts de sol, tranquillement. Voilà, on va s'en faire masse, ça. Yes, on est OP, les gens. Regardez ça. Impeccable. Laisse tomber, mon vieux. On est en train de te faire une base, mais je t'explique même pas. Ici, ce sera la salle où j'inviterai tous mes potes. Ouais. On va se taper des soirées ici. Pff, ça va déchirer, quoi. Attends, par contre, ce qu'on va faire... Ouais, on va faire ça. Voilà, comme ça. Voilà, là, c'est pas mal. Là, c'est bien. Regardez ça, vous allez voir. J'ai des grands projets. Des grands projets. Voilà, ici, ce sera le petit coin patate. Tranquillement. Là, c'est pas mal. C'est très bien, même. On va mettre ça là-dedans. Putain, j'ai déjà plus de place dans mon coffre. GG, quoi. Ici, faut que ça tourne. Ça charbonne, tranquillement. On va tenter de descendre plus bas. Hein. C'est parti. À l'attaque. On va tenter d'aller se faire cet objectif là-bas.
En espérant trouver des nouvelles ressources. Putain, lui, mon vieux, il commence à me foutre les boules, lui. Mais casse-toi, va ! Putain ! Vas-y, là, dégage. Vas-y, vas-y, viens. Vas-y, viens, je t'attends. Oh, putain, c'est pas vrai, il y en a deux, quoi. Il s'est barré, il s'est barré. Vas-y, il me voit plus. Tu me vois pas, là ? Si ? Si, tu me vois. Tiens, prends ça. J'en ai plus que deux, j'en ai plus que deux. Tiens, prends ça. Mais c'est pas vrai qu'il y a son pote qui arrive, quoi, putain. J'aurais pas assez pour tuer son pote, quoi. J'aurais pas assez pour tuer son pote. Putain, fais chier, quoi, merde. Bah, lui, il va me faire chier, quoi. Lui, il va m'emmerder. Vas-y. Je vais tenter. Oh, putain, mais non, mais là, là par contre, là... Eh, là, les gars, si vous m'attaquez que je suis au couteau, c'est mort, hein. Vas-y, ça va pas être jouable au bout d'un moment, tu vois. Attends, je vais prendre ça. Putain, je suis en train de les niquer. Eh, mais il y en a combien, mon vieux? Vas-y, moi, si ça va pas, je rentre à la base, là. Dégage, là. Casse-toi. Elle est où, l'autre base? Dégage. Où est-ce qu'elle est, l'autre base, là? Vas-y, on se casse de là. On se casse de là. Putain, attends, attends, je prends ça. Voilà. Mais cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Laissez-moi tranquille. Vas-y, on se casse, les gens, on se casse. Mais casse-toi! Putain, c'est pas le moment de me faire perdre, là. Attends. Bandage, vas-y. Use, bandage. Oh non. Putain. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Non! Je vais récupérer mon stuff. On va tout de suite récupérer notre stuff. Tout de suite, tout de suite. On perd pas de temps. Allez, sur le passage, en récupérant le stuff, on prend un petit coffre de pièces. J'ai toujours pas à quoi ça sert, ça. Mais bon, ça doit bien servir à quelque chose. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, c'était par là, hein. Voilà, c'est là-bas. Yes. Allez, donne-moi tout ça. Vas-y, yes. C'est bon, on a tout récupéré. Oh putain, c'est bon. On est OP. On est OP, les gens, là. C'est quoi, ça? Qui c'est que ces poissons, mon vieux? Attends. J'ai mon couteau? Vas-y. Je vais en prendre 2-3, là. Je sais pas, c'est l'air pas mauvais, ça. Ouais, ça donne la même viande que les autres, je pense. Attends, putain, il y a un coffre. Il y a un coffre juste ici. Ouh, c'est quoi, ça? Putain, à mon avis, lui, il m'attaque. C'est obligé, quoi. Y'a quoi là-dedans? Du manganèse. C'est ça qu'il va nous falloir. C'est ça, le manganèse, le fameux. Je suis pote Satan, va. Putain, je l'ai eu ou pas? Oh, je l'ai eu. Oh. Putain, mais c'est quoi, ça? Des méduses, ça attaque, quoi. Mais casse-toi! Putain. Ah, franchement, là, je m'y attendais pas. Vous êtes sûr qu'on a assez stuffé pour aller par là? Je suis moins sûr, pour le coup. Attends, c'est bon, là? J'ai tout récupéré, là? Ouais, yes. Attends, ça, c'est quoi? C'est rien? Ah si. Putain, ça se récupère, les petites boules comme ça? Vas-y, je récupère. On récupère tout, on récupère tout, les gens, on récupère tout. Je récupère les boules, voilà, yes, c'est bon. Il y a encore un coffre. Oh! Il y a de la ressource que je cherche là-bas. What is this, a giant octopus? What? Oh putain! A giant octopus, mon vieux. Je me casse? Non? Attendez, attendez, putain, je récupère quand même ça, quoi, c'est obligé. Je m'en vais pas sans récupérer ça, quoi. Du copper, j'en ai du copper. C'est pas ça qu'il me faudrait, quoi. Putain, faudrait que j'installe des extracteurs par là. Putain, les gars, je peux vous dire qu'on va aller s'équiper, mais d'une puissance. On remonte à la base, c'est parti. Vas-y, vas-y, remonte, remonte. Yes, oh putain, j'ai réussi à remonter. Y'a un extracteur ici? Ah bah, c'est qu'on est pas loin de la base, on est à côté. Vas-y, vite, vite. Parce que là, j'ai plus d'air. Voilà, vas-y, remonte. Putain, franchement, je m'attendais pas à ça, les giant octopus et tout ça, là. Je pensais que ça allait être tranquille, serein. Eh ben non, ça a pas l'air. Je peux vous dire qu'il va falloir qu'on s'équipe, là. Iron Spear... Bah, écoutez.
Ah, ouh, ça, à mon avis, ça doit faire mal. C'est avec du copper, hein. Vas-y. On va en faire des comme ça, déjà. Voilà. Ça, ça va les calmer un peu. Ça sert à ça, justement, les petites boules qu'on ramassait, là, voyez. Copper Spear, vas-y, on va les faire... on va en faire en iron, hein. On va en faire masse en iron. 7, c'est tout? J'ai déjà plus d'iron? Ah bah attends, normal, j'ai tout mis dans le coffre, je crois. Non? Ah non, j'ai tout bouffé. Ah oui, j'ai tout bouffé. Voilà, impeccable. Là, là, on est pas mal équipé. Et encore, on n'est pas super bien équipé, quoi. Faudrait que j'aille chercher de l'or et tout pour qu'on se mette bien comme il faut. Bon, écoutez les gens, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà plus d'une heure que je joue. J'ai même pas vu le temps passer, un truc de fou. Franchement, le jeu, je suis à fond dedans. Je le trouve super bien. En tout cas, si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas les réseaux sociaux, tout ça, tout est dans la description. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures. Moi, je vous dis ciao tout le monde. Bye bye.